Salut les amis, c'est Fabien. Comment allez-vous? Aujourd'hui, on va monter sur la 206 du Beauf. 216. La ligne que je vous ai montrée dans la vidéo d'avant. Vous savez, quand je changeais de triangle. Qu'on a trouvé à la casse. Ligne Inox Car et silencieux RC Racing. Voilà, j'ai mis un petit coup de belle gomme dessus histoire de tout nettoyer. Je vais faire un coup de propre, c'est l'inox, ça vieillit bien. On va démonter la ligne d'origine et le silencieux sport qu'on avait mis, parce qu'à la base on devait monter donc le silencieux sport là et mettre le tube HDI qu'on avait récupéré avec le manchon qui est par terre là. Voilà, donc finalement ça va être à vendre, hein, la ligne plus le silencieux, hein. Et on va monter ces choses-là. Et on va voir ce que ça donne. Donc direction en dessous de la voiture pour démonter tout ça. Alors le silencieux, pour l'enlever, il tient sur deux. Hop, je tourne un peu. Il vient donc sur le collier ici et sur un et deux supports caoutchouc. Donc on va enlever le collier. Je fais pas de douille sur le pétard, ça marchera pas. Voilà, c'est un collier style type Oliva. Vous voyez, hop. Alors vu que le silencieux l'a monté il n'y a pas trop longtemps, je voudrais sortir gentiment parce que je les ai montés avec de la graisse. Voilà, silencieux, enlevé. Ah, un petit peu de poussière dans la bouche, toujours désagréable. Le silencieux enlevé sur ces deux caoutchoucs. Maintenant, on va enlever le reste de la ligne. Ça tient juste par un. Vous voyez, il y a un support en caoutchouc et il y a le collier devant au niveau du kata. Voilà. Allez, on y va. Voilà le collier. Les deux de 16, c'est un collier en U. Et le caoutchouc de ligne au milieu. On va enlever les deux de 16. Si je dis des bêtises, c'est pas du 16, c'est du 13. Et en fait, c'est pas du 16 ni du 13, c'est du 14. Me voilà avec la bonne douille, il a du 14. Allez, on l'a là. Voilà. Voilà, on va tapoter maintenant, de toute façon hein, il est mort, là. On voit bien comment il est défoncé. On enlève le caoutchouc et on va tapoter. Bon allez, j'ai enlevé le support caoutchouc. N'oubliez pas, quand vous faites ça par terre, ou même si vous êtes sur un pont en fait, maintenez le catalyseur, quand vous enlevez la ligne. Parce que sinon, bam, donc, quand on va enlever la ligne, il va tomber. Vous allez abîmer l'olive, le flexible. Donc voilà, ça va faire que les abîmer, ça va tirer sur les lambdas. Ça... Enfin ouais, vous le faites maintenir, comme ça, il tombe pas. Il sort.
Pas de tout repos, hein. Sur un pont, ça doit être plus facile. Il est sorti! Ouais! Super! Oups, hein. Donc là, on voit que l'intermédiaire avait été changé. Hein. C'est vraiment un truc pourri. Et il a été coupé à disqueuse, ça se voit. J'espère que ça n'a pas été coupé trop court. C'est vraiment le truc que j'espère. Bon, on va ramener le l'inox car. Hein. Bon, les amis, la ligne est silencieuse à monter. Désolé, elle m'a vraiment bien que j'en ai carrément pas eu l'esprit de filmer. Donc laisse-moi montrer. Donc là, c'est fixé. Voilà, j'ai eu bien du mal à la rentrer parce qu'en fait, vous voyez le bout là où on met le collier, bah, il était tellement écrasé à cause vu que c'était de l'occasion puisque je l'ai récupéré à la casse. Comment j'ai galéré à le rentrer. Après mettre là-bas et puis après pour le régler à peu près correctement. Même si je trouve, même si je trouve qu'il sort un poil trop, voilà, au moins.